Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message intemporel et bien de ce mois d'août et de cette semaine. Nous sommes le vendredi 30 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors la petite philosophie de ce matin, la pensée de ce 30 août, santé. Si l'on est en bonne santé, alors on est très heureux. Que demander de plus? Et c'est la vérité, n'est-ce pas? La santé n'a pas de prix. Et lorsqu'on a la santé, eh bien, on doit s'estimer vraiment heureux. Parce que quand on ne l'a plus, c'est vraiment, c'est problématique et psychologiquement, c'est pas facile. Très beau message. Très belle pensée pour ce vendredi 30. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé montagne. Pour certains d'entre vous, ben, vous rencontrez peut-être des obstacles. Alors, les montagnes peuvent être intimidantes et écrasante. Et quand des obstacles se présentent, eh bien, dans notre vie, on se dit, peut-être, comment les franchir, ou encore, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, ces questions et ces inquiétudes sont certes justifiées en particulier quand un problème de taille surgit, n'est-ce pas? Mais tout espoir n'est pas perdu. Il faut vous dire que tout espoir n'est pas perdu. Ce n'est pas parce que vous rencontrez des obstacles que vous devez baisser les bras, n'est-ce pas? Au contraire, c'est parfois même l'occasion de vous montrer créatif et d'emprunter, eh bien, une autre route, une autre solution. La meilleure manière, d'avancer est celle qui vous correspond le mieux. Qu'il s'agisse de contourner l'obstacle, de le surmonter ou de l'affronter. Alors vous savez, vous n'avez pas toujours intérêt à aborder frontalement un problème. Le contourner est parfois peut-être plus riche d'enseignements. Envisager différentes approches, eh bien, pour triompher des difficultés qui se dressent entre vous et votre objectif. Peut-être voir cette problématique sous un autre angle et attendre peut-être d'avoir des éléments pour affronter cette problématique. Peut-être que vous n'avez pas tout en main pour affronter ce problème. Alors certes, il y aura peut-être des retards et des détours, mais avec de la détermination et de la persévérance, eh bien, vous transformerez cet obstacle en opportunité et vous aurez une histoire inspirante à raconter en bout de course, n'est-ce pas? Oui, c'est énorme ce que vous traversez peut-être, ce que vous rencontrez maintenant pour certains d'entre vous, mais dites-vous qu'il y a la solution, elle ne viendra peut-être pas tout de suite et il faudra peut-être pas prendre de front, peut-être prendre sur le côté pour arriver, eh bien, à franchir cet obstacle, cette montagne. Donc, pour certains d'entre vous, attendez-vous qu'il y ait une complication à venir et puis essayez de résoudre ce problème d'une autre manière, n'est-ce pas? Et développez votre force spirituelle et croyez en vous, ça c'est important. Vous savez, l'adversité est porteuse d'enseignement et ça va vous faire grandir de faire face
à cet obstacle, à cette montagne. Encore une fois, on est ici pour apprendre, eh bien, apprendre de ses erreurs et certainement, lorsque nous avons une difficulté dans notre vie, eh bien, ça nous apprend à comment surmonter les difficultés, les obstacles. Voilà, c'est un très très beau message et je termine avec le petit oracle des couleurs. Et aujourd'hui j'ai pigé chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Pour ce qui est de montagne, obstacle, n'est-ce pas? C'est juste quelque chose qui est momentané. Ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Vous allez trouver très vite une solution. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on me dit. Donc voilà, eh bien, la semaine est terminée, le mois d'août est terminé. Encore une fois, eh bien, nous allons reprendre le chemin de l'école pour les étudiants, le chemin de travail pour ceux qui ont pris leurs vacances au mois d'août. J'espère que vous avez rechargé convenablement vos batteries. Et puis, ben oui, voilà, ça va être la rentrée pour tout le monde. Je vous souhaite en tous les cas une belle rentrée. Et puis, je vous remercie en tous les cas pour votre écoute. Je remercie tous mes abonnés parce que si vous n'étiez pas là, ma chaîne n'existerait pas. Donc, encore une fois, de tout cœur, je vous remercie avec toute ma gratitude. Et puis voilà, on va se retrouver dans une prochaine capsule. Et d'ici là, passez une belle journée, passez encore un très très joli week-end dans l'amour, dans la bienveillance, la tolérance, l'empathie, etc. Et puis, prenez surtout soin de vous en douceur, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et puis, je vous dis à très vite et je vous embrasse.